Les compagnons de la chanson font depuis 30 ans une très belle carrière. Et ça m'a donné l'idée de les comparer à d'autres compagnons que l'on voit depuis 30 ans, ceux-là, eux aussi, qui nous rabâchent les mêmes choses. On les connaît, ce sont les compagnons de la chanson d'aujourd'hui. Viens voir les Giscardiens, voir les Chiraciens, voir les Marchésiens. Installé leur micro, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens vont frapper dans un moment, trois coups pour leur mascarade et répètent leur boniment. Leur répertoire est bien connu des spectateurs, pour la plupart ce ne sont pas des enfants de cœur. Comme les curés, les putes et les pharmaciens, c'est par vocation qu'on est politicien. Viens voir les Valériens, voir les Jacobins, voir les Franciscains. Puis ça y veut bien, voir les comédiens, voir ces cabotins, voir ces turlupins qui dérivent les comédiens du programme trépassé, joue le cocu magnifique ou le mariage forcé. Les turlupins de Raymond Barr, le marmiton vont se donner la réplique dans les gaietés de l'estragon. Selon les caprices de Marianne ou de Giscard, certains jouent le jeu de l'amour et du bazar. Le François gentilhomme ou bien ses fourberies, ou les mensonges d'Athalie, les comédiens. Viens voir les Giscardiens, voir les Chiraciens, voir les Marchésiens. Qui arrive bien voir ces comédiens, ces cabotins, ces turlupins qui salivent bien.